Ce que j'ai vu, je me suis dit, le prix de l'Europe est trop cher parce que des gens paient la vie pour l'euro. Ce qu'on voit à la frontière n'est pas forcément ce qu'on montre à la télé. J'ai perdu beaucoup de frères, beaucoup d'amis. Sur le coup, je me suis dit, bon, si peut-être l'Europe ne nous accepte pas, peut-être qu'il faudrait qu'on reste en Afrique et on essaie de faire quelque chose. Non, retourner là, non. Moi, je ne peux pas retourner. Je pense comment aller avant, je pense jamais retourner. Beaucoup risqueraient leur vie à retourner chez eux. Certains sont donc contraints de rester au Maroc, malgré toutes les difficultés rencontrées. D'autres veulent retourner dans leur pays d'origine. Moi, je ne compte plus aller en Europe. Moi, j'essaie de régulariser ici-là, voir mes papiers, faire ma musique normalement. Si je peux rentrer au pays pour voir ma famille, je vais partir au pays. C'est comme ça. Mais même le retour volontaire dans le pays d'origine est difficile. D'après des associations, la discrimination des personnes noires au Maroc pose des problèmes pour quitter le pays, y compris pour celles étant en règle et celles souhaitant repartir vers leur pays. Les noirs, il faut aller prouver, même si vous avez un visa, il y a un endroit où les policiers marocains contrôlent. Ça n'a rien à voir avec les guichets. Et ça, j'appelle ça la discrimination. Moi, je faisais des retours volontaires. Des gens qui sont gravement malades, qui étaient gravement malades et qui étaient en situation irrégulière, qui voulaient rentrer dans leur pays d'origine. En général, pour les faire rentrer, c'est difficile. Ils ont des billets de retour, des consulats. Même ça, c'est hyper difficile de les faire rentrer. Si l'on peut qualifier le quotidien des migrants subsahariens au Maroc de tragédie, c'est notamment parce qu'ils n'ont pas le choix. Aller en Europe, rester au Maroc ou repartir dans d'autres pays d'Afrique. Les trois options sont souvent très difficiles et éprouvantes. Mais alors, quel avenir pour eux ?